Bien alors, pour présenter rapidement Beauvélo, c'est une association qui a pour objectif la promotion des modes de déplacement doux dans le Beauvaisis. Donc, par cela, on entend la mise à disposition de vélos donc à différents publics, un public lycéen principalement avec le projet Vélis, un public de demandeurs d'emploi avec Vel Emploi, et aussi on touche le grand public par de la location de vélos et un atelier de petites réparations. Beauvélo a 1 an d'existence. Tout est né du projet Vélis, démarré en mars 2009. Pendant les premiers mois, le projet Vélis s'était mené par 4 associations, les ateliers de la Bergerette, la Ligue de l'Enseignement, Vélovac et Alep 60. Ces 4 associations ont constitué l'association Beauvélo donc en décembre 2009. Voilà. Aujourd'hui, l'association Beauvélo est financée par le Conseil régional, par le Conseil général, par l'intermédiaire du SMTCO, par la communauté d'agglomération du Beauvaisis, par l'ADEME et la ville de Beauvais. Voilà, nous venons récemment d'intégrer l'ancien buffet de la gare qui nous est mis à disposition, donc les locaux que vous voyez là, par l'agglomération du Beauvaisis. Voilà, on travaille aussi en lien avec la SNCF. Voilà. Voilà, c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi. Donc un projet soutenu par l'Europe et puis que nous on a décidé de poursuivre sans financement. Donc il suffit de présenter sa carte du Pôle emploi et sa pièce d'identité. Donc là on peut emprunter un vélo donc selon les horaires d'ouverture gratuitement. Ensuite il y a pour le tout public en fait, donc on s'est ouvert tout public. Donc il y a des vélos de plus petite taille, des vélos avec porte-enfants, des charrettes pour les enfants, des triporteurs. Donc là, il faut une pièce d'identité, un chèque de caution de 100 euros, se présenter donc pendant les horaires d'ouverture, toujours pareil. Et donc là, on peut louer un vélo pour 1 mois, pour 1 an, pour une journée. Donc ça va de 5 euros la journée, 20 euros par mois, 100 euros à l'année. Après, on peut adapter plus précisément. Donc pour les lycéens. Donc, qu'ils nous présentent leur carte de lycéen, qu'ils remplissent le papier d'inscription. Donc, s'ils sont mineurs, à faire signer par les parents. S'ils sont majeurs, on peut leur prêter directement un vélo. Nous, on a un logiciel qui est nouveau maintenant pour informatiser un petit peu les prêts et faire les statistiques de tous ces prêts, justement. Et donc, on les enregistre et puis le soir, ils nous ramènent le vélo, donc tous les soirs. Bah, j'étais à la recherche d'un emploi. Pour moi, c'était plus dans du long terme. Donc là, c'était un contrat d'1 an. Pour moi, c'était quand même une sécurité pendant 1 an. Et puis, parce que aussi, le poste me plaisait. L'écologie me parle aussi. Enfin, je pense que c'est d'actualité. Et puis, je suis quand même assez sportif. Donc, le vélo, j'aime bien, la marche, c'est pareil. J'ai pas vraiment de mission particulière, je fais un peu de tout en fait. Je peux très bien accueillir, enfin, j'accueille les lycéens le matin, je peux très bien renseigner des personnes qui viennent pour savoir pourquoi on s'est installé là et qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, bah là, on rénove le buffet de la gare, donc je participe aussi. Ensuite, je vais aussi à la Bergerette de temps en temps dans les associations qui sont en partenariat, qui ont monté l'association Beauvélo. Et puis, je vais faire l'animation aussi au mois de janvier pour voir comment ça se passe aussi un peu l'animation. Et puis, voilà, je fais un peu de tout en fait. C'est pas un métier avec un poste spécifique.